prophecy. I read the prophecy to you. Ça va nous restaurer. Is it going to restore us? Le Seigneur avait parlé à travers le professeur Zacharia Tanifomo. God spoke through Professor Zacharia Tanifomo. Le fondateur de la CMC. The founder of CMCFI. Mes chers enfants, c'était le 9 juillet 95 à Douala. It was July 9, 1995 in Douala. Mes chers enfants, je vous ai porté sur mon cœur pendant longtemps et vous êtes précieux pour moi. Vous êtes précieux pour moi. Je vous ai porté sur mon cœur et vous avez marché selon moi et votre marche était agréable à mon cœur. Votre marche a satisfait mon cœur. Oui, votre marche a satisfait mon cœur. Votre marche a fait plaisir à mon cœur. Je vous reçois sur mon sein. Je vous reçois sur mon sein d'une façon exceptionnelle. Je vous offre mon sein comme votre demeure. Je viens avec vous parce que vous êtes déjà sur mon sein et vous demeurez sur mon sein. Mon sein sera disponible pour vous comme lieu de repos sur le champ missionnaire. Vous êtes sur mon sein et je vous porte sur mon sein. Soyez au repos, soyez au repos. Je vous ordonne d'être dans le repos. Ne portez pas le moindre souci. Je viens avec vous. Je vous dévancerai et vous viendrez à moi et vous me suivrez et je vous conduirai pas à pas. Je vous conduirai vers le premier homme. Je vous conduirai vers la première âme, vers la deuxième âme, et seulement d'une façon plus grande, sans cesse croissante. Je bénirai votre labeur au-delà de votre imagination. Je bénirai votre labeur. Vous serez productif. Vous ne serez pas seulement productif. Oh, vous connaîtrez ma bénédiction. Je vous rendrai fructueux. Et vous serez une bénédiction. Il y aura une bénédiction numérique de ceux-là que je vous donnerai. Et il y aura une bénédiction dans la qualité, connaissance de mon Fils, d'engagement envers Christ, qualité dans la connaissance de sa personne et la qualité dans le service de lui. Je vous donnerai un troupeau en qualité, je vous donnerai un troupeau en quantité, large en nombre et excellent dans la qualité. Je vous donne en ce jour comme don le pouvoir de conduire, de diriger les gens dans mes hauteurs. Je vous donne le pouvoir de conduire les gens dans ma richesse. Je vous donne le pouvoir de conduire les gens dans mon service. C'est mon premier don pour vous. Je vous donne un deuxième don. Je vous donne un troupeau avec l'esprit pour suivre, la capacité de suivre. Je vous donne un troupeau avec la capacité de suivre pendant que vous les conduirez vers mes pâturages verts. Ils vous suivront et ils resteront avec vous et ils serviront avec vous. Vous ne serez pas seuls. Vous aurez une suite de qualité, une grande suite. Vous les respecterez. Vous ne les mépriserez point. Vous les respecterez et vous les exalterez et ils vous exalteront plus haut. Et vous serez rangés dans les hauteurs sans cesse grandissantes dans ma connaissance et dans mon service. Je t'ordonne d'aimer ta femme d'une façon exceptionnelle. Je t'ordonne d'être un modèle dans ton amour pour ta femme. Je t'ordonne à être un modèle dans l'amour pour ta femme, afin que les hommes, les gens de là-bas, aient un modèle, afin que les ménages cessent de se casser. Je viens avec toi.
Je te conduirai et tu seras un succès. Je viendrai avec toi dès maintenant même. Je te donne moi-même encore et je mets toutes mes ressources à ta disposition. Amen. Alléluia. Et quand le frère a arrêté la prophétie, il a dit, voici une parole qui vient de moi-même. When he ended the prophecy, he said, it's a word coming from myself. Colette n'est pas seulement ta femme. Elle est une missionnaire à part entière. D'abord, en tant que commissionnaire, et ce n'est que deuxièmement, qu'elle est ta femme. Tu ne feras rien tant que tous les deux, vous ne serez pas en parfait accord là-dessus. Vous allez ensemble, comme cette unité contenue dans la parole. Si deux d'entre vous s'accordent au sujet de quelque chose, vous serez accordé par mon Père qui est dans les cieux. Elle est ton premier partenaire dans cet accord. Et pendant que vous élevez les enfants là-bas, ils mûriront, ils deviendront aussi des partenaires. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Sans commentaire. No comments. Que les sages repassent cela dans leur cœur, comme a fait Marie, mère de Jésus. That the wise should bear this in their hearts. On dit qu'elle repassait ces choses-là sur son cœur. Dit ça, c'est quoi encore? Alléluia. Mais Jésus est fidèle. Jesus is faithful. Si tu es dans cette salle, if you are in this hall, c'est Dieu qui t'envoie. It's God who is calling you. Pas pour être un allant à l'église. Not to be like a church goer. Mais pour être un couvrier authentique, dynamique, puissant. To be a dynamic, mighty, full, authentic co-worker. Si tu sens tes entrailles, ton cœur bouger, aller de l'avant, ce n'est pas le hasard. If you feel your heart moving, going forward, it's not by hazard. C'est le Saint-Esprit. To the Holy Spirit. Qui a prophétisé. We gave the prophecy. Hallelujah. Ce soir, tonight, nous allons montrer que la volonté de Dieu, you show that the will of God, c'est que chacun connaisse des progrès dans la marche avec Dieu. That each one should know progress in the walk with God. Et quand le diable connaît la volonté de Dieu, and when the devil knows the will of God, lui aussi vient avec sa volonté. He also comes with his will. Si Dieu a dit qu'il veut que tu fasses du progrès, he goes say he wants you to make progress. Le diable, lui, il veut que tu ne fasses aucun progrès. The devil does not want you to make progress. S'il ne peut pas te faire tomber, if he cannot make you fall, il peut se débrouiller pour t'empêcher au moins d'avancer. He can try to hinder you to go forward. Ou alors te faire reculer. Or to go backwards. La lutte du diable. The fight of the devil. Et a pour but soit que tu tombes. As for purpose, either you fall. S'il peut le faire. If you can do it. Soit qu'il t'empêche d'avancer. Or you cannot make progress. Ou alors que tu recules. Or you come backwards. Et tu perds du terrain. And you lose feet. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Et où est la sœur Ambe? Where is sister Ambe? Elle a vécu une expérience spirituelle qui peut nous aider à comprendre ce que nous allons voir ce soir. She had a spiritual experience that can help us understand what we are going to talk about tonight. Parce que si on te dit que Satan a barré ta route, c'est comme c'est abstrait. Tu ne comprends rien. Because you tell you that Satan has blocked your way to the abstract, that you could not understand it well. Mais elle nous a rendu un témoignage qui m'a beaucoup édifié. But she gave a testimony which blessed me a lot. Donne-lui le micro. Bien. Hallelujah. Ce soir, tonight, nous allons montrer que la volonté de Dieu, you show that the will of God, c'est que chacun connaisse des progrès dans la marche avec Dieu. That each one should know progress in the walk with God.
Et quand le diable connaît la volonté de Dieu, and when the devil knows the will of God, lui aussi vient avec sa volonté. He also comes with his will. Si Dieu a dit qu'il veut que tu fasses du progrès, he goes say he wants you to make progress. Le diable, lui, il veut que tu ne fasses aucun progrès. The devil does not want you to make progress. S'il ne peut pas te faire tomber, if he cannot make you fall, il peut se débrouiller pour t'empêcher au moins d'avancer. He can try to hinder you to go forward. Ou alors te faire reculer. Or to go backwards. La lutte du diable. The fight of the devil. Et a pour but soit que tu tombes. As for purpose, either you fall. S'il peut le faire. If you can do it. Soit qu'il t'empêche d'avancer. Or you cannot make progress. Ou alors que tu recules. Or you come backwards. Et tu perds du terrain. And you lose feet. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Et où est la sœur Ambe? Where is Sister Ambe? Elle a vécu une expérience spirituelle qui peut nous aider à comprendre ce que nous allons voir ce soir. She had a spiritual experience that can help us understand what we are going to talk about tonight. Parce que si on te dit que Satan a barré ta route, c'est comme c'est abstrait, tu ne comprends rien. Because you tell you that Satan has blocked your way to like abstract that you could not understand it well. Mais elle nous a rendu un témoignage qui m'a beaucoup édifié. But she gave a testimony which blessed me a lot. Gloire à Dieu. Amen. Jésus-Christ est vivant. Amen. Il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Amen. Il est vivant. Amen. Si Jésus est ressuscité, il est vivant. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Alléluia. Je suis la sœur Ambe Juliette. Je suis de l'assemblée des Ambe. Alléluia. Je suis venu dans cette communauté, j'étais venu dans cette communauté comme si, comme je passais, je venais chercher la délivrance. Mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu que je passe. Et je suis venu en 99, j'ai fait ma repentance, j'ai fait le brisement des liens. J'oubliais, je m'en faisais des disciples, c'est le pasteur Meunier. Alléluia. Et je me suis dit que je cherchais la délivrance. J'ai fait la repentance et j'ai fait le brisement des liens. Mais j'étais à l'église de réveil et j'étais monitrice là-bas. Alors mon mari est resté là-bas. Je me dis que j'ai déjà eu la délivrance, je m'en vais. Et je suis partie. Mais les démons m'ont poursuivi à Abidjan ici. Alléluia. Ne viens pas pour dire que je cherche la délivrance, je m'en vais. Les démons d'Abidjan, de tout, en tout cas, toute son armée était dans mon dos. Comment ça? Un jour, j'étais là, Jésus est venu. Quand je suis parti, je ne suis plus revenu. J'ai tourné en rond, en rond, en rond. Et Jésus est venu enlever l'église. J'étais devant l'église de réveil. Et quand Jésus est venu prendre son église, moi j'étais là aussi. Je disais, Jésus, je veux partir avec toi. Je veux partir avec toi. J'ai vu que deux personnes seulement sont montées au ciel. Il dit, si tu veux aller au ciel, cours vite, va chez Pasteur Meunier. Alléluia. Et j'avais pris 3 jours de jeûne. Et dans le songe, je courais pour aller chez Pasteur Meunier. À ce moment, il habitait aux deux plateaux. Quand je suis arrivé devant la porte, je me suis réveillé. Le songe a continué le lendemain. Je suis revenu, je courais, je suis venu devant la porte. J'arrive, il y avait des bois. En tout cas, Satan fait tout son possible. Il a cassé les bois, les gros bois frais. Il a barré la route pour ne pas que moi j'y passe. Et je suis arrivé là. J'ai dit, mais mon papa est ici, je vais rentrer là. Pourquoi vous avez barré la route? Personne ne m'écoute. J'ai dit, je dois rentrer ici. Pourquoi vous enlevez les bois sur la route? Personne ne m'écoute. Parce que Jésus n'était plus là. Alléluia. Donc, dans le songe là-bas que je faisais, le pasteur a entendu ma voix et il est sorti de sa maison. Il est venu. Il dit, mais qui a barré la route? Celle-là, c'est ma fille. Elle doit rentrer chez moi ici. Alléluia.
En un clin d'œil, ils ont enlevé tous les bois. Quand ils ont enlevé les bois, le pasteur m'a tiré puis m'a amené chez lui. Et je me suis réveillée. J'ai vu que vraiment, il fallait que je revienne ici. Parce que ici, c'est la vie. Alléluia. La vie est là, donc je suis revenue. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés jusqu'à dans ma cuisine. Il y avait un petit truc, un placard. Je passais comme ça. Et je suis passé. Mon petit orteil a cogné le placard. Et mon pied s'est enflé. Ça a pris le bras. Le bras enflé. On ne peut pas me soulever. En tout cas, on me soulève. Je ne peux même pas. Oh, je ne sais même pas comment expliquer ça. Je ne souhaite pas ça à mon ennemi. Mais si tu es là pour la première fois, reste là où tu es. Parce que Satan, il est aux aguets. Alléluia. Et on m'a amené au CHU. Arrivé là-bas, en tout cas, j'étais rentré dans le coma. Parce que je ne voyais pas tout ce qui s'est passé autour de moi. On dit, le pasteur est venu prier pour moi, mais moi-même, je n'ai même pas vu le pasteur. Les gens mouraient autour de moi, tout. Et le lendemain, ils m'ont pris, ils m'ont envoyé chez moi à la maison. Ils m'ont déposé là. On dit, le pasteur est venu prier pour moi. Et dans le songe, bon, quand il a fini de prier pour moi, ils m'ont pris pour me mettre dans ma chambre. Et c'est à 4 heures du matin que je suis sorti du coma. Alléluia. Mais je faisais un son, au moment où je vais sortir du coma, je voyais que j'étais dans un gros avion, mais il y avait les freins de la CMCI que je ne connaissais pas. Et je suis rentré avec le premier document du renversement de principauté. C'était en fascicule. Et j'avais ça, je dis, et heureusement que j'ai mon document de prière. Et on priait, puis je suis sorti du coma. Alléluia. Quand je suis sorti, je me suis assis, j'ai regardé partout, je me disais que j'étais encore au CHU. J'ai demandé à mon mari, mais le pasteur devait venir prier pour moi. Là. Il dit, c'était hier, il a prié pour toi, aujourd'hui est samedi. Alléluia. Donc, je me suis réveillé, j'ai vu que réellement, Dieu est ici. Alléluia. On ne cherche pas la délivrance pour partir. Les démons t'attendent au grand carrefour. Ils t'attendent. Ils ne vont pas te rater. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis restée à la CMCI. Mon mari qui ne voulait pas venir m'a suivi. J'ai ma famille aussi qui est grande, qui est près de 20 personnes. Nous sommes à la CMCI. Et j'ai donné ma maison à la CMCI pour prier là-bas. Donc, je suis à la CMCI. C'est Satan qui a perdu. Amen. Donc, quand elle est venue, when she came, nous l'avons conduite à la repentance. She was led to repentance. Au brisement des liens. To the breaking of the ties. Elle est retournée. And she went back. Maintenant, quand le Seigneur lui a dit de revenir, now when the Lord told her to come back, elle planifie, ça échoue. She planned. Elle planifie, ça échoue. She failed. De 99 jusqu'en 2011. From 1999 until 2011. C'est quand elle a vu que la voie était barrée. And when you saw that the way was blocked. Et que les billes de bois ont été dégagées. That you have big trees removed from the way. C'est là qu'elle a pu prendre le numéro et appeler. It's at that moment that she took the number and she called. Et je lui ai demandé de venir. And I asked her to come. On a encore délivré. We delivered again. Elle est guérie. And she was healed. Mais le témoignage n'est pas sa guérison. The testimony is not about a healing. Le témoignage, c'est que la voie était obstruée, était barrée, fermée. The testimony is that the way was blocked, closed. C'est ça que nous allons combattre ce soir. This is what we are going to fight against tonight. Il y a des gens qui ne bougent pas parce que spirituellement le chemin est barré. There are some people who do not make progress because spiritually the way is blocked.
Les démons ne t'attaquent même pas parce que tu ne les effraies pas. Quelqu'un qui est arrêté n'effraie personne. The demons do not attack you because you do not make them afraid. Somebody who's up doesn't make anyone be afraid. Satan a peur des gens qui avancent. Satan is afraid of people who move. Quelqu'un qui n'avance pas. Somebody who does not move. On va le combattre pourquoi? How can they fight him? Lis pour nous. Read for us. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Amen. 1 Timothée 4, verset 15. 1 Timothée, chapitre 4, verset 15. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Amen. Nous révèle la volonté parfaite de Dieu. This passage reveals us the perfect will of God. Nous devons aller de progrès en progrès. We must go from progress to progress. Nous devons grandir. We must grow up. Nous ne devons pas tourner à rond. We must not turn around. Nous ne devons pas nous asseoir. We must not sit down. Nous devons être en train de marcher constamment. We must constantly be walking. Réalisant des progrès. Realizing progress. Dans tous les domaines. In all domains. Dans la foi. In faith. Dans la connaissance de Dieu. In the knowledge of God. Dans l'amour des frères. In the love for brethren. Dans l'amour pour le Seigneur. In the love for the Lord. Nous devons grandir. We must grow up. Devenir mûr en Christ. Becoming mature in Christ. Nous devons atteindre la maturité spirituelle. We must be spiritually mature. Parce que beaucoup de nos bénédictions dépendent de notre maturation. Because many of our blessings depend on our maturity. Si tu ne te développes pas. If you do not develop yourself. Si tu ne grandis pas. If you do not grow up. Il y a des choses que tu ne peux pas posséder. There are certain things that you could not possess. Il y a des lois, ce sont des principes de vie. These are laws, these are principles for life. Si tu restes bébé spirituellement. If you become a baby, il y a des choses baby. Que tu ne peux pas, même avec tout l'amour de Dieu pour toi, il y a des choses que tu ne pourras pas posséder. Even if all the love of God for you, there are certain things that you could not possess. Parce que la parole dit que tant que l'héritier demeure enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Because the Bible says, until the heir remains as a child, it's not different from a slave. Dont les premiers pères spirituels, so the first spiritual fathers, qui étaient les apôtres, who were the apostles, avaient ça comme un objectif à atteindre. Had this as an objective to amener be rich. Amener les frères à connaître la croissance. Leading brethren to know the growth. Amener les frères à se porter bien. To lead brethren to be well. Physiquement, physically, spirituellement. Spiritually. Tous les domaines de leur vie. In all domains of émotionnellement. Their life. Emotionally. On doit être épanoui, équilibré comme un être entier, un homme. You must be happy, balanced as an entire human. L'œuvre de rédemption de notre Seigneur Jésus touche tous les domaines de notre vie. The way of redemption of our Lord touches all the domains of our life. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu est remplie de bénédictions, remplie de bénédictions, remplie de bénédictions. This is the reason why the word of God is full of blessings, full of blessings, full of blessings. Paul commande à Timothée de tout faire pour connaître des progrès. Paul commanded Timothy to do everything to make progress. Et que ce soit même des progrès que les gens peuvent observer. It should be even progress that people can observe. Il dit occupe-toi de ces choses.
He said, take care of those things. Donne-toi tout entier à elles. Give yourself entirely to them. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. That your progress may be evident to all. Tous les frères, les païens, tous réalisent que tu n'es plus la même personne. Pagan, you realize that you are no more the same person. Mais il y a des adversaires à cela. But you are opponent to that. Lis pour nous. Read for us. 1 Samuel chapitre 15 verset 1 à 2. 1 Samuel chapitre 15 verset 1 à 2. 1 Samuel chapitre 15 le verset 1 à 2. Samuel dit à Saül. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi un roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Amen. Amen. Le Seigneur dit, the Lord said, il se souvient de ce qu'Amalek avait fait contre Israël. You remember what Amalek did against Israel? Il dit, quand j'ai libéré mon peuple du pays d'Égypte. He said, when I set my people free from Egypt. Et qu'il était en train de marcher dans le désert pour aller entrer en possession de son héritage. And when he was walking into the desert to go and take possession of his heir. Amalek a fermé le chemin. Amalek closed the way. Et c'était la première guerre. And it was the first war. Des enfants d'Israël qui étaient sortis de l'Égypte. Or the children of Israel who came out of Egypt. Dieu leur avait donné la victoire. God gave them the victory. Mais il a enregistré. But he registered. Qu'Amalek va disparaître de la terre. Amalek should disappear from the earth. Ça veut dire que Dieu n'aime pas qu'on barre la voie à son peuple. And that God does not want that the way should be blocked to his people. Quand il te sauve. When he saves you. Et qu'il t'ordonne de marcher. Then he ordained you to walk. Et qu'il y a dans l'obscurité des forces, des hommes, darkness, des esprits, spirit men, qui décident que tu ne vas pas avancer. Who decide that you not go forward? Ça devient son combat. It becomes his battle. Même s'il nous utilise pour combattre, mais c'est son combat. Even he uses us to fight, it is his fight. Quand Moïse remportait la victoire sur Amalek, c'est Dieu qui était en train de battre Amalek. When Moses won the battle against Amalek, God was fighting against Amalek. Le Seigneur va frapper tes Amalécites. The God will fight the Amalek. Il dit, souviens-toi d'Amalek. He said, remember the people of Amalek. Ce qu'il a fait à Israël. What he did against Israel. Comment il a fermé le chemin devant les enfants d'Israël. How he closed the way to the children of Israel. Et il disait, va, dévoue-le par interdit. And he said, go and destroy them all. N'épargne personne. Don't save anyone. Ne prenez même rien dans leur territoire. Don't take anything from their territory. Pas de butin. No prey. Détruisez tout, tout, tout. Destroy all, all. Hommes, animaux, tout. Men, animals, all. Frères, brothers. Les billes de bois étaient sur le chemin de notre sœur. Big trees was on the way to our sister. Elle a reçu la révélation même, l'enlèvement. Jésus lui dit, va voir le pasteur meunier. Elle ne pouvait pas venir. She received a revelation. The Lord told her, go and see Pastor Mene, but she could not come. Le chemin est barré, bloqué, the way fermé. Is blocked, closed. Les démons oppressent. Demons oppress. La maladie est là. Sickness is there. Mais le chemin est fermé. And the way is blocked. Mais à l'église, tous les dimanches. But at church, every Sunday. Jésus m'a sauvé, et toi. Jésus a sauvé, et toi. Mais les billes de bois sont là, elles ne bougent pas. But the trees are there, she cannot move. Ça va finir ce soir. It will be ended tonight. 2 Samuel chapitre 5. 2 Samuel chapitre 5. Verset 6 à 9. From verse 6 to 9. 2 Samuel chapitre 5, verset 6 à 9. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera pas. Point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour,
Quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveux qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. Amen. Jusqu'à 9. Until 9. David s'établit dans la forteresse qu'il appela Cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de Milo. Amen. Le Seigneur avait béni David. The Lord blessed David. Il a fait de lui un homme de guerre. He made a man of war. Il a trouvé le fils d'Isaïe qui va accomplir ses volontés. He said the friend of Isaiah who will fulfill his will. Quelqu'un que Dieu a nommé. Someone that God appointed. Souverainement depuis le trône. Sovereign from his throne. Les Philistins ont le courage. The Philistines had the courage. De convoquer toutes les tribus contre lui. To call all the tribes. Même les aveugles et les boiteux étaient invités pour venir barrer la route à David. Even the lame and the blind were called to block the way to David. Ils connaissaient David. They knew David. Ils savaient qu'il avait tué Goliath. They knew that he killed Goliath. Et ils avaient des échos de ses victoires. And they had news from his victories. Et quand ils voulaient entrer dans Jérusalem, qui s'appelait Jébus. When he wanted to enter Jerusalem, what is it called? Jebus. Quelqu'un peut faire des bruits à Tengrela, il fait des bruits à Odjene, mais quand tu viens vers Abidjan, ça change. Someone can make noise in Tengrela or Odjene, but when you come to Abidjan, it changes. Donc David devait entrer dans la capitale. So David was to enter the capital. Les Philistins ont dit pas question. The Philistines said no way. Il n'entre pas. He will not enter. Le diable fait la même chose contre toi. The devil does the same thing against you. La Bible dit ces choses ont été écrites pour notre instruction. The Bible says those things have been written for our instruction. Dieu veut nous former. Il veut qu'on connaisse les techniques de Satan contre nous. God wants to train us. He wants us to know the techniques of Satan against us. Il n'entrera pas ici. You will not enter here. Il y a des gens, Dieu les a bénis socialement. Même ton poste même est connu au niveau du ciel. Mais les démons, certains sorciers disent que ça ne va pas se réaliser. Some people are blessed socially. Their post is appointed from heaven. But some demons say it's not going to be realized. Tu es pasteur. You are a pastor. Les démons savent que Dieu est avec toi, mais ils se débrouillent tout de même. Ils disent qu'il ne va pas. Il ne va pas servir son Dieu. You are a pastor. The demon know that God has appointed you. He said, no, they are trying. You're not going to serve his God. Il ne va pas lire la Bible. He's not going to. You know, read the Bible. Il ne va pas prier. You will not pray. Tout ce qu'il faut pour te barrer la route. All that is done to block the way to you. Mais ça va finir. But you will finish. Ça va finir. You end. Il n'y a pas d'avenir pour les ennemis des enfants d'Israël. There is no future for the enemies of Israel. Il n'y a pas d'avenir. There is no future pour les ennemis de l'église. For the enemies of the church. Il a dit, je bâtirai mon église. He said, I will build my church. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. The door of hell will not prevail against her. Il dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, elle sera accordée. He said, if two of them get together to ask one thing, it's going to be granted. Il dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. He said, what you bound on earth, you'll be bound on heaven. Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. What you loose on F, you'll be lost in heaven. Il dit celui à qui vous retiendrez les péchés, ils lui seront retenus. He said the one that you refuse to forgive, you'll not be forgiven. Si tu lis bien les psaumes, tu verras qu'il y a des gens. David a dit, ne pardonne pas les péchés. If you read well the psalm, you say that some people David said, do not forget the sins. Si l'Église dit à Dieu, if the church tells God, ne pardonne pas les péchés de telle personne. Do not forgive the sin of that person. Ça va s'accomplir au ciel. It's going to be accomplished in heaven. Il y a des gens qui aiment provoquer là, qui cherchent les malédictions là. There are some people like provoking, like curses. Un jour, quelqu'un peut s'amuser et l'Église libère une parole. One day somebody can try and the church liberates a word. Dieu va mettre le cachet. God, you make a seal.
Ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils les seront retenus. Those against which you do not forgive, they will not be forgiven. C'est pour cette raison que quand un frère confesse les péchés au frère, qu'il soit brisé pour que les frères puissent dire tu es pardonné. When a brother confesses sins to brethren, it should be humble for the brethren to say you are forgiven. S'il résiste parce qu'il ne comprend pas, ne t'énerve pas. If they resist because they don't understand you, don't be annoyed. Sois brisé. Be broken. Jusqu'à ce qu'ils disent tu es pardonné, frère. Until they say you are forgiven, brother. Ne faut pas t'amuser avec l'église. Don't play with the church. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Il a dit, je vous ai donné mon pouvoir. He said, I gave you my power. Vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions. You tread upon scorpions and snakes. Et sur toute la puissance de l'ennemi. And all the might of the enemies. Et rien ne pourra vous nuire. And nothing is going to be against you. Mais l'ennemi sait, il connaît. So the enemy knows, he knows. Il a dit à Jésus, il est écrit à ton sujet que les anges vont te transporter pour que ton pied ne heurte pas une pierre. He told Jesus that he written the angel will carry you so that your feet will not touch the ground. Il sait que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il sait. He knew that God blessed us for all blessing from heaven. Mais il se débrouille. But he's trying. Oh, que tout le monde vienne, même les aveugles. Oh, everyone should come. Ça montre déjà qu'il n'est pas sûr qu'il va gagner. Even the blind, it makes that he's not sure that he's going to win. Si moi je dois combattre là, je vais demander à tous ceux qui sont fatigués de se reposer, que les malades restent à la maison, les aveugles restent tranquilles, les beautés aussi. Mais dès que tu entends quelqu'un dire que pardon, même les bébés, même les aveugles qui viennent, sa chute est déjà arrêtée dans sa propre tête. If I want to fight, then I'm sure that I'm going to win the battle. Those who are tired, they see I say to his men. Dis, je proclame. I proclaim. Que même mon ennemi. Even my enemy sait que j'ai la victoire. Knows that I have the victory. S'il convoque les aveugles et les boiteux, c'est qu'il sait qu'il n'y a plus d'espoir. If you call the blind the name, it's because he's sure that there's no more hope. Acclame même pour Jésus. Clap for Jesus. Dis, Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Say, Jesus is the Lord of the Lords. Dis, Jésus est vainqueur. Jesus is a winner. Vainqueur éternel. The everlasting winner. Hallelujah. L'ennemi te connaît. The enemy knows you. Les attaques ne veulent pas dire que tu ne connais pas Dieu. Attacks do not mean that you do not know God. Les attaques veulent tout simplement dire que Satan te connaît. Attacks simply mean that Satan knows you. Et il se débrouille. And he's always trying. Parce qu'il vit de ça depuis les mensonges. Because he has been living with that lies. Je vais te protéger, je vais te bénir. I protect you, I bless you. Il n'y a pas de bon diable, il n'y a aucun démon qui peut protéger quelqu'un. There is no good devil, there is no any devil which can protect someone. Jésus a dit, Jesus said, que l'ennemi ne vient que pour dérober, que personne ne te trompe sur la terre. The enemy only comes to steal. Porte tel talisman, ça va te donner le pouvoir, mon ami. No, ça, je deceive you. Ça ne te donne rien. Where this thing is going to give you the power, my brother, is not going to do anything. Ça achète ton âme. He buys your soul. Pour le lac de feu. For the lake of fire. Le diable veut des compagnons du lac de feu. Now, they don't want companions for the lake of fire. C'est tout. That's all. Mais David. But David. N'a pas dit attention au boîte. Did not say pay attention to the name and to the babes. Quand l'ennemi t'attaque. When the enemy attacks you, il faut avoir les sentiments divins. For the divine feelings. Quelqu'un menait une bataille et puis on lui a dit tu vas tuer ton père, il a laissé. Somebody was fighting and said you are going to kill your brother and he left it. C'est le démon, c'est pas ton père que tu faut voir le diable. It is the demon, not the father. See the devil. Si ton père apparaît dans un songe. If your father appears in your dream. Contre toi, dis au nom de Jésus. Again, you say in the name of Jesus. Tu vas voir ce qui va se passer. You see what will happen. Si tu dis ne me juge pas, tu es ma chérie, non. Et puis tu dis que papa, c'est quoi, viens. If you say don't judge me, you are my lady, and say yeah, dad, dad, come. Tu as perdu la bataille. You have lost the battle. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together?
Le roi marcha avec ses gens vers Jérusalem contre les Jébusiens habitants du pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. » Ce qui voulait dire, « David n'entrera point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Il a arraché la ville, alléluia. Il a écrit son nom. La cité de David. The city of David. Là où le diable ne veut pas que tu poses ton pied là. Where the devil doesn't want to put your feet. Tu vas poser le pied, mais tu vas arracher. You put your feet, but you grab it. Tu vas le chasser. You cast me away. Et tu vas imprimer ton nom dessus. And you write your name on it. Le Seigneur te rend capable. The God makes you capable. David s'empara de la cité. David took the city. C'est la cité de David. It is the city of David. Le diable sait que ce qu'il t'empêche d'avoir, c'est ça qui est ton niveau de stabilité en Christ. The devil knows that what he prevents you to get is what is your level of stability in Christ. Il connaît le niveau normal. He knows the normal level que Dieu a décrété pour toi. That God appointed for you. Il connaît ton rang spirituel. He knows your spiritual rank. Il se bat pour que tu ne mettes pas ton pied à cet endroit-là. He fight against you to not put your step. Mais tu vas mettre tes pieds. But you step there. Et tu vas y demeurer. And you dwell there. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Je veux entrer. That I want to enter. Et je veux posséder. And I possess. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. Alléluia. Alléluia. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que le Seigneur me garde à mes lieux élevés. C'est valable à put me my highest level. Que le niveau normal de ma vie sera atteint. That the normal level of my life should be reached. Je ne vais pas tourner à rond. I should not turn around. Quels que soient les adversaires. No matter the adversaries. Quel que soit leur nombre. No matter the number. Quel que soit leur race. No matter their race. Qu'ils soient parmi les morts ou parmi les vivants. Either they are among the dead or the alive. Ils seront traités. They should be treated. Comme le Seigneur l'a arrêté dans sa parole. And the word the Lord said in the word. Ils seront traités comme Amalek. They should be going to be treated as Amalek. Ils seront traités comme on traite ceux qui s'opposent à la volonté du grand roi. It's going to be treated as we treat those who oppose to the will of the great king. Que tous ceux qui s'opposent. And all those who oppose. Au dessein de Dieu dans ma vie. To the purpose of God in my life. Soit les ennemis de l'Éternel. Should be the great enemy of the Lord. Qu'ils soient les adversaires de mon père. Should be the adversary of my father. Que je contemple la victoire. I should contemplate the victory. Dis amen. Nombre 22. Number 22. Verset 1 à 6. From verse 1 to 6. Nombre chapitre 22, verset 1 à 6. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrai-je le battre et le chasserai-je du pays.
car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Amen. Amen. Il y a beaucoup de cas, mais voici un autre exemple. There are many cases, but this is another example. Les enfants d'Israël, the children of Israel, arrivent dans le territoire des Moabites. Came to the territory of the Moabites. Et le roi des Moab envoie les gens chercher un devin pour venir les maudire. And the king of Moab sent someone to go and call for a diviner to come and curse them. Il dit, et Moab fut effrayé en face d'un peuple si nombreux. He said the Moab were still afraid of the people because they were many. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. And they were sick with dread before because of the children of Israel. Frère, le diable a peur. Brother, the devil is afraid. Retiens ça avant même de commencer la bataille. Bear this in mind, even before starting the battle. Le diable a peur. Vous avez vu les the gens qui viennent avec témoignages, même les enfants. Even the kids ont l'autorité sur les mauvais esprits. Have authority upon les enfants. Evil spirits. The kids. Effrayés, effrayés, effrayés. Afraid, afraid. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. The people will lick all that is around us. Est-ce que tu savais? Did you know that before? Que tu es fort. That you were strong. Est-ce que tu sais que tu es fort? Did you know that you are strong? Ils résistent, hein? Ils résistent, ils barrent la route. They resist, they block the way. Cette multitude. These people, this multitude. Va dévorer tout ce qui nous entoure. Do you know God to lick all that is around us? Mais ils s'opposent, mais en tremblant. They oppose it by non, trembling. Acclame pour Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Acclame, acclame. Clap, clap. Il s'est dit, ne nous amusons pas, il va arracher, ne nous amusons pas, mais tu vas arracher. He said, don't play around, he's going to take it, but he's going to ils take it. Ils ont prophétisé déjà. They even prophesied before. C'est lui-même qui a utilisé le mot dévorer. Ça va s'accomplir comme sa bouche a dit. He said, so we use the word lick up. It's going to be accomplished as it is written, as his mouth said it. Si on te laisse, tu vas te marier. Si on te, bon, if you leave, you get married. C'est fini, donc je me marie. So it's finished, he said, I get married. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Ce que l'ennemi redoute, what the enemy is afraid of, c'est ça qui va s'accomplir. Is what is going to be accomplished. Si Dieu te dit de résider à Abidjan, if God asks you to live in Abidjan, même si tu bâtis une tour à Yamsokro, le diable n'a pas de problème. Even you build a study in Yamsugo, the devil does not have any problem. So, c'est le diable, c'est l'ennemi de Dieu. Il sait que si tu t'installes à Abidjan, tu accomplis la volonté de Dieu. The enemy, the devil is the enemy of God. He said that if you establish yourself in Abidjan, you accomplish the will of God. Donc, si tu es quelque part en Yamit, en Koubetan, quelque part là-bas, if you are somewhere in the up country, il ne t'attaque même pas. He is not even going to attack you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? La première chose ce soir, the first thing tonight, c'est d'être dans le dessein de Dieu. Is to be and to dwell in the will of God. Chacun va dire à Dieu, j'accepte ta parfaite volonté. Someone, everybody will say, God, I accept your perfect will of God for me. Dans ma vie. In my life. Finis les excuses. Finish the excuses. Parce que tu ne sais même pas qui t'exhorte. C'est l'ennemi qui te dit, ne va pas loin. Reste là, tu es fatigué. Because you don't know who is exhorting, the enemy who is exhorting, so don't go far, you are tired. Dis-lui que je veux avancer. Tell him I go forward. Je veux avancer. I want to go forward. Si Dieu te dit parle de moi à telle personne. If God asks you talk about me to that person. Et tu trembles. And you tremble. Attention. Be careful. Parle même si tu trembles. Speak even you tremble. C'est ça qu'on appelle être dans la volonté de Dieu. This is called being in the will of God. Si tu as peur, if you are afraid,
tu seras bloqué là. You will be blocked there. Tu ne vas plus connaître les autres grâces. You know we're going to know the other graces. Qui ont été planifiées. Which were planned. Tu restaures toute la marche avec Dieu. Restore all your walk with God. Les aveugles et les boiteux vont tous tomber. The blind will all fall down. Les amalécites seront taillés en pièces. The Amalek is going to be crushed into pieces. Les tentatives de Moabites d'être maudits seront vaines. The attempt of Moabites to curse is going to be vain. Parce que pour la première fois dans l'histoire de Balaam. Because for the first and the history of Balaam. Il bâtit un hôtel, il veut faire les enchantements, le Seigneur apparaît. He built an hotel, he wants to make enchantment, the Lord appeared. Il bâtit un autre hôtel, il veut faire les enchantements, c'est le Seigneur qui apparaît. He built another one, he wants to make enchantment, it's the Lord himself who appeared. Après, il s'est converti. After that, he get converted. Il a béni. He blessed. Il est parti. And he went. Mais en indiquant aux ennemis le secret pour faire tomber Israël. By showing to the enemy the way to make Israel fall. Lis pour nous Apocalypse chapitre 2 verset 14. Read for Revelation chapter 2 verse 14. Apocalypse chapitre 2 le verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Amen. Quand tu es devant une réelle tentation, when you are in front of a real temptation, fais attention. Pay attention. C'est une autre manière de barrer ta route. It's another way of blocking the way to you. Si on n'a pas pu te maudire, if they couldn't curse you, si on n'a pas réussi par l'épée, if you couldn't succeed by the sword, on envoie l'impudicité. You bring sexual immorality. Et c'est le divin sorcier là qui a donné ses secrets aux Moabites. It's the rich, the divine sorcier who gave the secret to the Moabites. C'est un peuple saint. Ces gens-là, ils sont saints. There is a holy people. These people, they know that you are holy. Que Dieu les a choisis pour être des sacrificateurs. That God chose them to be the high priest. Donc, si vous réussissez à leur faire manger des viandes sacrifiées aux idoles, if you succeed in making them eat meat sacrificed to idols, ils ont violé déjà la loi des sacrificateurs. Ils ne seront plus utiles à leur père. They even violating the law of being high priest. They are no more useful. Et puis commettez l'immoralité avec leurs femmes et leurs jeunes gens. And they commit sexual immorality with the young ladies and the young men. Et Dieu a gardé ça. And God kept this. Lis pour nous Deutéronome 23 verset 4. Read for Deutéronome chapter 23 verse 24. Deutéronome chapitre 23 le verset 4. Parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Amen. Alléluia. Alléluia. On lit le verset qui précède. Read the preceding verse. Deutéronome, chapitre 23, à partir du verset 3. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Alléluia. Amen. Vous voyez là une malédiction, ça disons rater le ciel, tout condamné pour toujours. You see, a curse, they miss heaven, condemned for all. Parce qu'ils ont enseigné à l'ennemi de tendre des pièges, because des vrais pièges, et qui ont marché. Because they told the enemy to make traps, true traps, which works. Donc tiens-toi debout. Stand up. Première chose. First thing. Prends conscience, be conscious de ton état, of your state.
Pose-toi la question, j'avance ou je recule? Ask yourself, am I going forward or backward? Je suis tombé ou je suis debout? Am I down or up? J'avance ou je recule? Am I going forward or backward? La puissance de ta prière dépend de ta prise de conscience. The power of your prayer depends on your taking conscience. Si tu réalises que tu es couché, if you realize that you are down, relève-toi. Stand up. Si tu te relèves, if you get up, tu as vaincu. You have overcome. Si tu es arrêté, if you are up, si tu marques un pas, if you make a foot, a step forward, tu as vaincu. You have overcome. Mais si tu restes là où tu es, but if you remain there where you were, le diable est content. The devil is happy. Si tu ne lisais pas la Bible, quand tu rentres, lis un verset avant de dormir. If you are not reading a Bible, if you go home, read even one verse before sleeping. Mais si tu cries beaucoup et tu vas te coucher sans toucher à ta Bible, le diable il va envoyer un communiqué que il y a des paroles sans actes. Ils n'ont pas fait comme leur maître. Ils parlent seulement. If you cry a lot without any reading, the devil will bring news say that there are many words but no acts. They are not done as the father asked. Si c'est une mauvaise relation, tu la coupes maintenant même. If I drop into a bad relationship, you end it now. Tu tailles en pièces, tu jettes par terre. You break it and you finish with it. Tu verras la suite. You see what will come next. Qu'est-ce que je veux dire? D'abord, la révolte. What am I going to say? Be revolted. Que tu te dises, mais. And you say, ah, c'en est assez. It is a knife. Que Dieu m'a appelé pour que je marche. That God has called me to walk. Je sais ce que je dois faire. I know what I have to do. Si je ne le fais pas, il y a un problème. If I do not do it, there's a problem. Tu apprends toujours à donner. Tu apprends toujours. Tu apprends seulement. You have been learning to give. You have been learning to give. You are always learning. Tu voles, tu te repens. Tu voles, tu te repens. Si tu dis ce soir que Père, c'est fini. If you say tonight, Father, it is finished. Il va mettre le cachet. You will seal it. Prions ensemble. Let's pray together. Dis, oh Père, oh Father, je reviens à toi. I'm coming back to you. De tout mon cœur. With all my heart. Continue à prier. Continue to pray. Commence à dire merci au Seigneur pour ses compassions. Thank God for his compassion. Dis-lui merci pour son amour. Thank him for his love. Frère, tu peux contempler comment nous revenons à lui. You can contemplate how you are coming back to him. Facilement. Easily. C'est parce qu'il a ouvert le ciel. It's because he has opened heaven. Il a ouvert le ciel. He has opened heaven. Dis-lui merci. Thank him. Dis-lui merci. Thank him. Dis-lui merci. Thank him. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci infiniment. Thank you abundantly. Parce que par ton amour. Because through your love. Et par ton œuvre sur la croix. And of your work on the cross. Nous avons un libre accès auprès du Père. You have a free access to the Father. Continue à lui dire merci. Continue to thank him. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que le Seigneur Jésus nous a bénis. That the Lord Jesus has blessed us. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que le Seigneur Jésus nous a envoyés dans le monde. That the Lord Jesus has sent us into the world. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que le Seigneur Jésus nous a envoyés dans sa moisson. That the Lord Jesus has sent us into his harvest. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que le Seigneur Jésus a fait de nous ses couvriers. The Lord Jesus has made us his co-workers.
dit, je proclame. So I proclaim. Que le Seigneur Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi. The Lord Jesus said, I am the one who have chosen you. Et je vous ai établi. And I have established you. Afin que vous alliez et que vous portiez des fruits. For you to go and bear fruit. Dit la volonté du Seigneur. Say the will of the Lord. Et que nous portions des fruits. It is about us to bear fruit. La volonté du Seigneur. The will of the Lord. Et que nous portions du fruit. It is to bear fruit. Et du fruit qui demeure. To bear fruit that dwells forever. Et du fruit qui demeure. The fruit that dwells forever. La volonté du Seigneur. The will of the Lord. Et que nous puissions grandir. It is about to make progress. De progrès en progrès. From progress to progress. De progrès en progrès. From progress to progress. La volonté du Seigneur. The will of the Lord. Et que nous soyons prospères à tous égards. To be, prosper in all domains. La volonté du Seigneur. The will of the Lord. C'est que nous puissions réussir. It will have to be successful. Dans la marche avec lui. In the walk with God. Lève ta main. Raise your hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Ce soir. No. Tonight, d'un commun accord, with one voice, nous nous levons contre tout obstacle, rose against any obstacle, de quelque nature que ce soit. No matter its nature, au nom de Jésus, in the name of Jesus, que tout obstacle, that any obstacle, soit ôté de notre chemin, to be out of our way, soit brisé, to be broken, et que la marche soit aisée, that the way should be easy. Selon les desseins de Dieu. According to the purpose of God. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous levons nos mains. You raise our hands. Contre toute barrière. Against any barrier. Et nous brisons. And you break it. Et nous libérons la voie. And we set our free. Devant chacun d'entre nous. For the work of each one of us. Continue à bombarder. Continue to pray. Continue to pray. Lève ta main droite, dis au nom de Jésus que toute autorité, toute autorité contre le progrès du peuple du Seigneur soit renversée au nom de Jésus-Christ. Dis toute domination, toute puissance des ténèbres contre le progrès dans la foi du peuple bien-aimé soit renversé au nom de Jésus. Que toute principauté démoniaque satanique contre le progrès du peuple de Dieu soit renversé au nom de Jésus-Christ. Que tous les objets utilisés pour obstruer, pour barrer le chemin soient taillés en pièces, taillés en pièces. Toutes choses utilisées. Any object. Tout phénomène spirituel ou naturel. Any phenomenon natural soit banni, banni. Banish. Au nom de Jésus. Jesus. Continue à prier. Dieu, au nom de Jésus, nous rendons possible tout ce que l'ennemi veut bloquer. Au nom de Jésus, nous amenons à l'existence tout ce que le diable veut bloquer dans les ténèbres. Oh, the devil wants to block through the darkness. Dieu, au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Nous proclamons. You proclaim. Que ce que l'ennemi ne veut pas voir dans nos vies. No, the enemy does not want to see in our life. C'est ça qui va s'accomplir maintenant. It's the word is going to be accomplished. Continue à prier. Dieu, au nom de Jésus, nous écrasons la volonté des hommes méchants. Continue à prier. Dieu, au nom de Jésus, nous commandons que tous les méchants restituent ce qu'ils ont volé. Restituent ce qu'ils ont volé. Continuez à bombarder. Continuez à prier. Continuez à bombarder.
Dieu, au nom de Jésus, nous brisons le secours des méchants. You break the aim of the wicked. Parmi les êtres humains, among human beings, continue à prier. Continue to pray. Nous brisons le secours des méchants parmi les êtres humains. Voilà ma cacha. Voilà ma cacha. Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous jugeons tous les démons qu'ils ont utilisés. Et nous jugeons tous les démons qu'ils ont utilisés. Et nous chassons tous les démons qu'ils ont utilisés. Nous les enchaînons. Et nous les chassons. Continuez à juger. Dieu, au nom de Jésus, nous sèmons la zizanie dans le camp des méchants esprits. Zizanie. Assieds-toi, tu gardes le silence. Sit down and keep silent. Tu contemples. You contemplate. Ta victoire en Christ. Your victory into Christ. Le chemin est libéré devant toi. The way is free before you. Si tu as un mal, si tu es malade, if you have a pain or you are sick, présente ton mal maintenant. Present your pain now. Si tu peux poser la main là où tu as mal, tu poses. Si tu peux poser sur la tête, tu poses. You can put your, you can lay your hand where you feel the pain, make it. If you can put it on your head, then put it. Dis Seigneur, je reçois ta guérison. Say, Lord, I'm receiving your healing. Je reçois ta guérison. I receive your healing. Dis, je proclame que par les maîtrisures de Christ, nous sommes guéris. So I proclaim through the wound of Jesus, you are healed. Dis, je proclame qu'en Jésus-Christ, je suis guéri. So I proclaim that through Jesus, I'm healed.
Je proclame qu'en Jésus-Christ, je suis guéri. I proclaim the truth that I'm healed. Même si c'est l'hémorroïde, même si c'est l'hémorroïde est sorti, il va rentrer là où il est venu. Even the hemorrhoid is out, you go inside today. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Que toute personne atteinte d'hémorroïde soit guérie maintenant. Même. Any person sick of hemorrhoid should be healed now. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Que toute personne qui fait pipi au lit. Any person who has soit délivré maintenant même. Any person rebel should be delivered now. Qu'on n'en parle plus jamais, jamais, jamais. You should no more be heard about it. Jamais, jamais, jamais. Never, never. Jamais, jamais, jamais. Never, never. Que la guérison pénètre dans tous les corps. That should the healing penetrate into all the bodies. La guérison du Seigneur. The healing of the Lord. Que la maladie. So that maybe sickness qui s'est constitué will constitute itself un obstacle and an obstacle disparaisse maintenant même. Disappear now. Que tu accomplisses l'œuvre de Dieu avec un corps fort. That you accomplish the work of God with a healthy body. Délivré d'infirmité. Delivered from infirmity. Délivré des maladies. Delivered from diseases. Délivré des maladies. Delivered from diseases. Que toute maladie. That any disease. Dite incurable. Which is incurable. Soit banni et anéanti. Should be banished and crushed. Et qu'elle disparaisse. And it should disappear. Que le VIH-Sida disparaisse. That it should disappear. Que le cancer disparaisse. Mais cancer disappear. Que le diabète disparaisse. Mais le diabète disappear. Que l'hypertension disparaisse. Mais le blood pressure disappear. Que l'hypotension disparaisse. Le blood pressure disappear. Que l'hépatite, toute forme d'hépatite disparaisse. Any hepatitis disparaisse, disparaisse, disappear. Que toute maladie obéisse, disparaisse. No sickness should obey. Au nom de Jésus-Christ, qui est mort à la croix du calvaire. To the name of God, die on the cross of Calvary. Que tous ceux qui souffrent des maux de Dieu soient guéris. All that I ask problems should be healed. Soit guéri. Should be healed. Que tout démon qui provoque la cécité soit chassé. Any demon that provoke blindness should be cast out. Et que ceux qui étaient victimes regardent et voient. All those who are victims should see. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Que tous ceux qui ont des troubles respiratoires. Do they have breathing problems? Soient guéris maintenant même. Should be healed now. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Que les maux d'articulation. That the pain. Les maux d'articulation. In the angle. Les maux d'articulation. Pain. Disparaissent au nom de Jésus-Christ. Should disappear now in the name of Jesus Christ. Que tous les maux de tête. Now have a headache. Quelles que soient les causes. No matter the cause. Quelles que soient les causes. No matter the cause. Disparaissent au nom de Jésus-Christ. Should disappear in the name of Jesus. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que par les maîtrisures. By de Christ, de Jésus-Christ. Or the wound of Jesus Christ. Nous sommes guéris. We are healed. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que Jésus n'a pas seulement souffert à la croix. That Jesus did not only suffer on the cross. Jésus a souffert depuis sa naissance. Jesus suffered since his birth. Tous les jours de sa vie. All the days of his life. Une vie de douleur, de douleur. He lived a life of pain, pain. Homme de douleur et de souffrance. Man of suffering and pain. Pour ma guérison, pour ma guérison. For my healing, for my healing. Pour notre guérison, pour notre guérison. For our healing, for our healing. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus Christ. Que tous ceux qui souffrent des fibromes. That all that are the fibroses. Que les fibromes soient arrachés. That the fibroses should be removed. Et jetés dans les abîmes. And cast out in que the toute forme de boule. Like any kind of ball. Au ventre, au sein, les boules, les boules. Les balles, les balles. Et les bosses, les excroissances. Soient taillées. Should be crushed. Jetées dans les abîmes.
Que la guérison soit distribuée, partagée à chacun. And all the healing should be shared. La guérison de Dieu, la guérison divine. The divine healing, the divine healing. La guérison divine. The divine healing. La guérison divine. Divine healing. La guérison divine. Divine healing. La guérison divine. Divine healing. Et par les maîtrises de Jésus. Through the wound of Jesus. Nous sommes guéris, nous sommes guéris, nous sommes guéris. We are healed, we are healed. Et par les maîtrises de Jésus. Through the wound of Jesus. Nous sommes guéris. We are healed. Nous sommes guéris. We are healed. Prions en langue. Le printemps. Kuria bakala bakasina bakasa. Ora bakashar ga bakala gashar ga baka. Ora ga bakashar ga laga ba. Ora bakashar ga laga bakasa. Ora bakashir ga bakala gashir ga la. Ora bakashir ga laga ba. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Printemps, printemps. Prie parce que l'Esprit sait ce qu'il te faut. Prie. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Printemps, printemps. Prie en langue, prie en langue. Printemps, printemps. Kala baka sharga baka sharga laga baka sharga laga baka sharga laga baka sharga baka. Ora baka sharga laga baka sharga laga baka sharga laga baka sharga. Ora baka sharga. Laga baka sharga baka. Ora baka laga sharga. Nous proclamons que par les maîtrises de Jésus, nous sommes guéris. We are healed. Toute maladie, 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 au nom de Jésus, que tout démon derrière une maladie quelconque, Soit jugé, be judged, soit chassé, be cast away, esprit démoniaque, demonic spirits, responsable d'une maladie, responsible of a disease, manifeste-toi et va-t'en, cast you go, Arabashara bakashara bakashara bakashara. Esprit méchant, wicked spirit, derrière une maladie quelconque, behind any disease, je te chasse, va-t'en. I cast away, go. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Go, go, go away, go away. Garde le calme. Be calm. Garde le calme, le Saint-Esprit travaille. Be calm, the Holy Spirit is working. Satan, toi qui veux résister, tu es vaincu. Satan, you want to resist, you're overcome. Même si tu es au fond de l'abîme. If you are deep inside the abyss. Le jugement de Dieu t'y atteint. The judgment of God will reach you. Même si tu es au fond de la mer, even you are deep inside the sea, le jugement de Dieu te poursuit au fond de la mer. The judgment of God pursues you into the, inside the sea. Même si tu es dans les lieux célestes, even you are in the celestial places, tu es précipité. You are brought down. Même si tu es dans les forêts, even you are in the forest, nous y envoyons le feu. You send fire. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ.
Dis merci, Seigneur. Thank Lord. À la maison, at home, tu planifies consciemment ta croissance. You consciously plan your growth. Et frère, tu es libre. And brother, you are free. Il n'y a même pas eu de résistance. L'ennemi est KO. The enemy is knocked out. Tout ce qui était bloqué, all that was blocked, à cause de la volonté humaine, because of human will, est débloqué. Is released. Les gens vont te chercher. People will seek for you. Pour certains cas, le dossier même avait été oublié même par toi-même. For certain cases, even your document has been even forgotten by you. La voie est libérée. The way is free. Si tu lis la Bible, if you read the Bible, tu auras des révélations. You receive revelations. Même even concernant le combat contre les principautés. Concerning the fighting against the principalities. Tu vas le comprendre comme tu n'as jamais compris. You understand as you have never understood it. Que le Seigneur te bénisse. May God bless you.